Chapitre 51, nous lisons la parole de Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Oh, les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Je suis né dans l'iniquité, sans savoir qui j'étais.
Perdu dans ce monde, sans valeur et sans espoir. Quand la lumière a jailli, je puis voir. Ce jour-là, sur le mont Calvaire, Christ a pris mes fardeaux. Et l'homme ennemi a perdu son pouvoir sur lui. Et je puis dire par la foi que je suis plus que vainqueur. Sauvé par son sang, et tous les jours je le louerai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est le désir de notre cœur, mon roi, de te louer, de te servir toute notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, comme tu l'as fait savoir et comme tu nous as montré aussi. Seigneur, ta présence a régi aussi nos cœurs et continue davantage à régir encore davantage nos cœurs, mon roi. Nous te remercions vraiment d'être descendu encore ce soir pour nous consoler, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te désirons vraiment encore plus profond dans notre cœur. Louange et honneur à toi pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Combien nous sommes vraiment heureux et reconnaissants, Seigneur, de pouvoir réellement t'avoir encore, Père Tibissant, sur la terre des vivants, mon bien-aimé Père Tibissant. Le séjour de mort ne peut pas te louer, Seigneur. Oh, notre bien-aimé Père Tibissant, même là-bas, il n'y a pas la reconnaissance, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous te remercions, Père Saint-Dieu, nous que tu as donné la grâce d'être parmi les vivants, Seigneur, et de voir tes merveilles que tu as accomplies pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos enfants, nos petits-enfants, ce que tu as fait encore aujourd'hui. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Père, notre Seigneur, et reçois donc le remerciement et la reconnaissance encore, mon Sauveur. Merci encore pour le cœur disposé encore, pour les prières, pour participer les requêtes que tu as vraiment exaucées encore. Nous le croyons parce que nous avons prié de notre cœur encore ce soir. Sois donc béni et exalté encore, mon Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, tout puissant, s'attendent à toi et désirent encore ardemment, Père, que tu puisses encore nous visiter encore. Oh, Père Tibissant, et chaque jour de notre vie, parce que nous voulons vraiment un changement véritable, total et aussi profond, Seigneur. Nous voulons pas des habitués, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous voulons être de ceux-là qui vivent ta parole à toi. Sois béni encore, mon Sauveur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Bénis mon précieux frère. Bénis chaque frère et chaque frère encore ce soir. Et tout ton peuple encore, ceux qui sont à l'écoute, bien-aimé Père Saint-Dieu, dans les différents lieux, Père Saint, qui sont aussi bénis. Là, nous t'avons aussi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Qu'il soit béni pour son amour et sa bonté à notre endroit. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours agréable et merveilleux de moments que nous pouvons nous retrouver ensemble et les passer dans la présence de notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Ah, mais c'est mon frère, mon Leroy. Ah, oh là là. Oui, oh, que Dieu vous bénisse. C'est un bonheur de vous voir. C'est merveilleux. Que Dieu soit béni et qu'il soit glorifié, mon frère Emmanuel. Et que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble et nous remercions notre Dieu de ce qu'il est toujours merveilleux à d'autres endroits et il fait de merveilles aussi. Nous réalisons combien les diables se déchaînent, c'est vrai, et combien ils cherchent vraiment qui dévorer d'une certaine manière ou d'une autre. Mais nous, nous devons rester vraiment unis et attachés vraiment à la parole de Dieu et agir effectivement aussi comme le Seigneur notre Dieu
nous le demande. Voyez-vous, dans le psaume qui vient nous être lu encore tout à l'heure, effectivement, chapitre 51 et le verset 8, il nous dit, « Mais tu veux, toi tu veux que la vérité soit au fond. » Oui, 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 au fin fond de notre cœur, effectivement, que la parole de Dieu puisse trouver davantage la place. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, désire. Et quand il trouve réellement sa place, effectivement, alors nous trouvons réellement aussi la chose juste à pouvoir accomplir pour que Dieu puisse aussi se réjouir aussi à notre endroit. Souvenez-vous que, vous devez le savoir aussi, ce que le Seigneur veut aussi se réjouir aussi en nous. Et il veut réellement que nous puissions être aussi sa joie sur la terre, effectivement, lorsque il peut se tenir, regarder, observer. Il peut aussi dire, effectivement, comme il a dit de Job, effectivement, « As-tu donc remarqué mon serviteur Job ?» Cet homme était un homme qui était vraiment attaché à Dieu de tout son cœur. Il aimait vraiment et que la parole de Dieu avait trouvé réellement aussi place en lui. C'est pour ça que les Saintes Écritures parlent de lui comme étant, il était un homme intègre. Et vous souvenez, nous avons parlé effectivement de l'intégrité, ce que ça voulait dire effectivement. Donc un homme qui était donc intègre, c'est-à-dire qu'un homme qui cherchait à ce que toutes ses actions soient vraiment réglées selon la parole de Dieu. Or que Dieu nous aide effectivement pour que tout un chacun de nous, nous qui exprimons, effectivement, qui témoignons aussi à tout le monde qu'effectivement que Jésus est notre vie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, effectivement, aussi, que nous rendons témoignage aux gens qui sont autour de nous, effectivement, que c'est Jésus, effectivement, il est le plus beau pour moi, il est le merveilleux, et c'est ma vie, effectivement, et c'est lui qui fait que je puisse vivre, effectivement, alors que ça soit vraiment la vérité du fin fond de notre cœur. Parce que si nous le disons simplement de nos lèvres, effectivement, les gens qui sont autour de nous, effectivement, ils le verront. Pour quelles raisons et de quelle manière ils vont le voir. Mais c'est en fait notre vie, en fait. On peut tromper les gens d'une certaine manière avec la bouche, effectivement, mais il y a quelque chose qui ne va pas le tromper. C'est la vie, en fait. La Bible dit que chaque semence devra produire selon son espèce. Alors, le manguier ou le prunier peut faire tous ses efforts pour qu'on voit qu'il était un pommier. Vous savez, même on peut tout faire, même l'arroser 150 fois, mais on verra quand même que quand il va donner des fruits, il ne peut pas faire autrement. Ce sera toujours des prunes. L'orange, quelque chose comme ça, c'est un oranger, une certaine manière. En fait, c'est la vie qui témoigne de tout un chacun de nous ce que nous sommes. Pas ce que nous disons ou les témoignages que nous pouvons rendre tellement si haut, mais c'est notre vie. Cette vie que nous avons, effectivement, témoigne aussi si nous sommes sauvés ou pas. La bouche, effectivement, peut faire savoir et montrer beaucoup de choses et peut même réagir. Mais, vous savez, on peut même essayer de pouvoir un peu cacher en faisant des efforts, mais les naturels, il y a toujours la force. Il doit revenir dessus. C'est pour ça que la Bible nous parle effectivement d'une chose qui est très importante, c'est que c'est la mort en soi. La Bible dit que c'est lui qui veille sur ce qui est commandé dans le Proverbe. Veille sur ce qui est commandé et veille sur son âme. Ce qui est commandé, c'est ce que Dieu dit, donne-moi ton cœur. Et vous pouvez remarquer chaque fois dans les Saintes Écritures, le jour de la Pentecôte, la Bible nous fait savoir qu'effectivement, que c'est leur cœur de ces gens-là qui furent vivement touchés. Moi, je me pose la question de pouvoir savoir. Jusqu'à quand, toi qui dis que tu es un chrétien, tu attends que Dieu puisse arriver à pouvoir toucher ton cœur pour que tu puisses l'aimer. Il y a un dysfonctionnement quelque part.
si moi, je suis croyant, je suis devenu chrétien, comment le suis-je devenu? C'est parce que j'ai expérimenté quelque chose dans ma vie. J'allais mourir. Dieu vous bénisse. Et alors, il y a quelqu'un qui est venu. Cette personne-là, je ne pourrai jamais l'oublier. En fait, je lui dois tout. Qu'est-ce qu'il a fait, cette personne? Il vous a touché, mon frère. Alors, combien de fois vous attendrez qu'il vienne vous toucher encore? J'attends que le Seigneur vienne toucher mon cœur. Mais mon frère, ne l'a-t-il jamais touché ton cœur à toi? Ce jour-là, le jour de Pentecôte, quand ils ont entendu la parole de Dieu, alors lorsque Pierre, vous connaissez l'écriture, lorsque Pierre, effectivement, il s'est mis debout, quand ils ont eu d'abord pu voir ce qui s'est passé, quelque chose d'étonnant, les uns disaient, mais ces hommes, ils sont ivres. Pierre s'éleva et dit, non, ces hommes ne sont pas ivres. Mais c'est ici donc l'accomplissement de ce qui était écrit dans Joël au chapitre 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et commença à passer des critères, effectivement, il démontra combien Dieu a manifesté son amour, sa bonté, sa grâce à l'égard des hommes, en leur envoyant un sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le sauveur, quand il est entré dans le monde, c'est à ce moment-là que, oh, Jean le Baptiste a dit, il est plus grand que moi, et il est avant moi. Je ne suis pas même digne de délier les courroies de ses chaussures. Et quand il le vit, il dit, le voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la réponse à tous nos problèmes, et c'est la vérité, mon précieux frère et ma soeur, la réponse à tout, la réponse à la mort, la réponse à la maladie, la réponse à mon avenir, alléluia! Jésus le Christ, mon frère. Oh, que son Saint-Nom soit béni. Oui, nous comprenons et nous savons pourquoi nous lui donnons nos cœurs. Vous savez, le psaume 91, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ah, repose donc à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es ma force, ma forteresse et ma tout fort. Dans lequel refugier en fait. Connaître ce Jésus dans la puissance de sa résurrection, mon frère. C'est une délivrance totale, une allégresse continuelle dans notre vie. Que son Saint-Nom soit béni. Parce que, il a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Puisqu'il m'aime. Oh, yes. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est là la consolation que nous avons tous. Alors, lorsque Pierre a pris donc les saintes écritures, nous voulons peut-être les prendre aussi, dans le livre des Actes au chapitre 2, hein, c'est que nous continuons ce moment. Vous pouvez rester assis. Vous pouvez rester. Merci beaucoup. Dites aussi, mon frère. Merci beaucoup. On va simplement continuer pour voir ici. Actes au chapitre 2. Hein, regardez, nous continuons simplement la partie qui nous a laissé là. Et voilà, c'est ici. Ah, voilà. Alors, il est donc Actes 2. Alors Pierre se présenta donc avec les onze, éleva donc la voix, et leur parlant en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, toujours l'écriture.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Dieu veille toujours sur sa promesse. C'était parler un jour, c'est comme si quand je l'ai parlé, c'est comme si, oh, une parole comme ça. Non, 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 non. Dieu veille, mon frère et ma soeur, même sur, en rapport avec la promesse pour notre temps, même si tu ne la vois pas. Attends. Amen. Dieu n'oublie pas, mon frère. N'oublie pas, il fait son travail, mais vraiment en profondeur. Oui. Quand il a dit qu'il va se présenter à lui-même une épouse sans tâche, alléluia, c'est sûr et certain, elle sera sans tâche. Même si nos yeux disent, mais comment est-ce possible? Mais expliquez-moi, comment y a-t-il eu des poissons dans l'eau? C'est vrai, non? Il a simplement dit que les eaux produisent des poissons de toute espèce. Et nous disons que Dieu fait toutes choses par sa parole. Parce que tu ne peux pas m'expliquer toi-même comment tu es venu au monde. C'est vrai quand même. Hein? Comment ton corps fonctionne, comment le cœur fonctionne. Et puis est-ce que tu réfléchis quand tu respires? Non. Je ne dis pas, je vais respirer, je vais respirer. Alléluia! C'est ça, c'est Dieu, hein? D'une simplicité extraordinaire, mais puissant. Parce que tu ne respires plus, tu meurs. Mais tu respires sans te rendre compte. Je fais ce que je veux. Non, fais attention, parce qu'on peut couper la respiration. Contrôle sur chaque organe. Tu ne contrôles rien. Toi-même, tu ne contrôles rien de toi-même. On lui donne la crainte. Mais c'est lui qui contrôle les battements de ton cœur. Il contrôle les canaux, les vaisseaux. Le myocarde, il contrôle la quantité de sang qui entre, qui circule tes veines. Il faut voir comment l'homme est constitué. C'est un véritable architecte. Un dessinateur professionnel. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, mais quel autre aurais-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en. Remercions Dieu pour sa grâce. Oui, que Dieu te bénisse pour le psaume. Nous sommes heureux de réaliser que c'est vraiment un privilège de pouvoir la voir et surtout être appelé fils et fille. Nous devons porter ce nom avec reconnaissance. Qui dit fils et fille de Dieu, dit l'amour de ce Dieu, puissance à ce Dieu, le respect, la considération de tout ce que lui veut, tout ce qu'il dit. C'est que si nous regardons très bien ce que la Bible dit, mais tout ce qu'il fait est agréable. Oh, c'est vrai, hein? Alors ça veut dire que quand il nous dit quelque chose, c'est toujours agréable et parfait. Lorsque l'obéissance y est et nous obtenons le résultat. Alors il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'était prophétisé, c'était annoncé dans Joël, chapitre 2, verset 38, vous connaissez cela. Et c'est passé des années, effectivement, parce qu'il a dit jour. J'ai restauré, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et voilà que les hommes, probablement, ils avaient peut-être un peu oublié, parce que bon, en lisant, c'est, la pensée va tellement si loin. Mais lui-même, il vient. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous allez recevoir la promesse du Seigneur, donc du Père, donc le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et c'est ça. Et ces jours-là, à Jérusalem, effectivement, aussi dans la chambre haute, ils l'ont expérimenté. Mon frère et ma soeur, ne pensez pas que nous sommes des comédiens ou des gens qui sont peut-être en train de pouvoir peut-être se donner à quelque chose ou se réjouissant parce qu'ils sont désignés. Non, 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 non. Nous avons la grâce de connaître que c'est Dieu. Il ne ment jamais. Quand il t'a dit à toi que je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, reste, même si les bobos montent, l'écriture ne ment.
Nous aimons le Seigneur parce qu'il a dit, c'est notre foi ici qui triomphe. C'est ça la victoire. Mais le Satan veut vous mettre dans la défaite en vous injectant le doute. Mais toi, pour garder la victoire, garde la foi dans ce que ton Dieu a. Cela démontre l'amour, la confiance que tu as dans cette personne. Est-ce que vraiment mon frère et ma soeur, c'est Jésus que tu connais, est-ce qu'il peut vraiment te mentir? Est-ce qu'il peut vraiment te décevoir? Il ne m'a jamais déçu. Que je suis à sa parole, il ne m'a jamais ainsi. Ah. Alléluia! Alors continue un peu, mon grand. Oh. Quand il passe là-dedans, j'ai dit gloire à Dieu. Qu'il est doux et qu'il est bon pour des frères. Demeurez unis ensemble, frère. Nous devons avoir la même foi. Et le feu descend. Il nous a jamais déçus. Il nous décevra jamais. Même dans la tombe. Amen. Quand tu descends, nous nous resterons là. Mais lui, il descend. Alléluia. Ah, il veille sur ton âme à toi pour qu'aucun démon. Amen. Oh oui, quand toi tu dors, le diable cherche à pouvoir avoir fait des. C'est comme ça qu'il cherche. Mais lui, il veille. Il dit ça ne touche même pas. Ah, si vous saviez la voie que les chrétiens, le croyant véritable emprunte quand ils sont. Parce que c'est pour ça qu'on dit que les chrétiens, les croyants, c'est comme je parle des croyants. Hein, les fils et filles de Dieu ne meurent jamais, ils dorment. Et d'ailleurs, on a vu avec Lazare. Ce sont les anges qui les ont. Vous vous souvenez? Et c'est la vérité, ça. Tandis qu'elle est méchante, le fiancé venu. Et dans le séjour des morts, elle commence à pleurer. Mais Lazare était dans le bien-être, alors. Ou c'est dans les seins d'Abraham. Pas de tourments, plus de problèmes, plus de soucis. Continuons ici pour le temps. Ah, ouf. Alors il dit. Il dit ici, oui, hein. Donc dans les derniers jours, verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Acte 2, 18. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Vous comprenez, non? Alors, quiconque invoque le nom du Seigneur donc, sera donc sauvé. Alors, cet homme, comment il disait, et dans une verset, dans un chapitre de verset, il a dû pouvoir dire des choses extraordinaires qui se positionnent effectivement dans le temps. Vous comprenez, non? Ok. Alors, verset 10, vous avez compris? Je répète le verset 19 dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Vous comprenez? Et les soleils chandra ténèbres, effectivement, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Vous connaissez, vous en avez parlé, non? Hein? Redoutable, il a changé en glorieux. Vous connaissez, non? Alors, quiconque vous calme du Seigneur sera donc. C'est merveilleux cela de pouvoir voir combien Dieu est parfait. On nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque, hein, invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Regardez comment cet homme de Dieu prend cette écriture encore. Dans Romains au chapitre 10, regardez. Romains chapitre 10, je pense que c'est cela. Voilà. Voilà. Verset 12, il dit. Romains 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui... Vous voyez bien. Quiconque invoquera le Seigneur sera donc.
Vous avez remarqué, frères et sœurs, c'est que dans le livre de Jean, je crois que c'est Jean, Jean 3,6, on lui dit que tu as tant aimé le monde qu'il a donc donné son fils. Vous connaissez, non? Et puis on ajoute, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous posez la question, mes frères, pourquoi tu nous ramènes à quiconque? Souvenez-vous de Jean chapitre 4, avec la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, il parle avec elle, puis il dit, je vois que tu es prophète, il me dit, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que, car le salut vient d'où? Des Juifs. Donc, c'était en fait le Juif auquel, qui pouvait, qui avait le véritable Dieu. Oui. C'est pour ça qu'on dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël, c'est vrai, non? Vous vous souvenez quand même d'Éphésiens au chapitre 2. Si vous ne vous souvenez pas, lisons rapidement et puis vous allez voir, regardez bien. Vous allez souvenir et puis nous allons revenir à Éphésiens au chapitre 2. Et c'est cela aussi, je pense. Voilà, c'est quand même ça. Je pense que c'est cela, oui. Et voilà, voilà. Éphésiens chapitre 2. Verset 12, il dit. Non, madame, verset 11, il dit. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont donc en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, quoi? Privés de quoi? Étrangers aux alliances et la promesse, sans espérance, sans Dieu, dans le monde. Ah ben oui. Mais il a fallu que quelque chose se passe pour que le salut maintenant atteigne tout le monde. Oui, auparavant, c'était simplement Israël. Voyez-vous pourquoi Jésus est tellement si important pour toute l'humanité entière? C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, oh, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies. Les nations de la terre sont donc bénies en toi. Et vous remarquerez effectivement que, comme l'Écriture le dit, c'est parce qu'il y a un événement qui doit se passer. Et voyez-vous, dans Romains chapitre 10, où nous lisions effectivement, il dit que. Merci. Nous avons lu le verset Romains chapitre 10, et le verset 14, il dit. Non, verset 12. Il n'y a donc. Aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Vous entendez? Mais auparavant, il y en avait. Elle était grande. Les Grecs étaient un païen qui adorait les divinités païennes, effectivement. Ils n'avaient rien à voir, ils n'avaient même pas accès au salut. Vous le savez bien. Il n'y avait pas une relation. Mais maintenant, il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui... Voilà. Donc, il devait arriver à pouvoir avoir un même Seigneur auquel il devait invoquer. Maintenant, il nous dit ici, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que pour avoir ce salut-là, il faut invoquer effectivement la personne qui apporte le salut, dont le nom est le salut. Oui, c'est ce que Siméon a dit. Mes yeux ont vu ton salut. Salut, en fait. Ah, bref, bon, retournons vite là, nous étions en 4. Verset 22, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Alors il dit, homme israélite, écoutez ces paroles de Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les produits. Vous avez vu comment il est rentré maintenant dans l'Écriture? Il a commencé par Joël. Et là, maintenant, entrer dans les scènes d'Écriture pour montrer maintenant la chose principale, la raison même pour laquelle la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu, parce qu'auparavant, il n'y était pas descendu. Alors maintenant, il veut leur montrer maintenant la foi. La chose qui a permis carrément que le cœur de Dieu soit touché ainsi, pour répandre son esprit sur toute chair.
Parce qu'auparavant, mon frère et ma soeur, quand on parle effectivement de la colonne de feu, et évidemment, elle était la colonne qui guidait, qui conduisait effectivement. Et l'Esprit de Dieu n'était que sur le prophète. Les arbres qui étaient nés pour ça. Jérémie, avant que tu sois conçu dans les seins de ta mère, je te connaissais, j'étais. Oh, pour que tu sois donc prophète. Et c'était donc, c'est là qu'on doit se comprendre effectivement que des véritables prophètes étaient des prophètes parce qu'ils sont prophètes, parce qu'ils sont des prophètes par la bouche duquel Dieu parle. Donc le Dieu d'Israël, pas les dieux des nations. C'est pour ça parmi les nations, il n'y avait que les diseurs de bonne aventure. Les démons, les enchanteurs, effectivement, vous avez vu avec Nebuchadnezzar, non? Il appela ses satrapes, il n'a pas appelé les prophètes. Il appela ses satrapes et tout ça. Est-ce que vous me suivez? Il disait de bonne aventure et tout ça pour pouvoir lui donner l'interprétation du songe qu'il a eu et qu'il ne se souvenait plus. Il a appelé tous ceux qu'il connaissait, comme ici, dans tous les magiciens, il ne connaissait que ça. Tous les féticheurs et tout ça. Mais dans son royaume, il y avait un prophète de Dieu auquel Dieu pouvait parler. C'était Daniel. Daniel, serviteur de l'Éternel. Eh oui, c'est ça. Bref, bon. Alors, ici, il. Dans, pardon. Chapitre donc 2 des Actes, effectivement. Nous revenons au 23, non, chapitre 22, verset 22. Homme Israël, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir, mon frère et ma soeur? Mais il lui donne la réponse ici. Hein. Et il dit ceci, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie. Cet homme aimait Dieu, hein? C'est David qui dit cela. Nous l'avons entendu tout à l'heure, effectivement. C'est dans le psaume 51. Oui, c'est le psaume de David. Et c'est quand David a eu à pouvoir faire ce qu'il ne fallait pas faire. Il a eu recours, effectivement, à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Il savait que Dieu était miséricordieux. Et quand on se repent sincèrement, on ne doit jamais résister à Dieu. La résistance des stupides les tue, effectivement. Mais on doit savoir s'humilier et revenir, effectivement, comme David l'a fait. Dit. Et aussi mon cœur dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Vous connaissez cela, non? Ok. Donc, il leur amène cette écriture, effectivement. C'est pour ça qu'il leur avait dit, effectivement, que car la mort n'était pas possible, qu'il l'ait retenu. Donc, il soit retenu par elle, parce que l'Écriture avait parlé de lui. Comme l'Écriture ne peut pas faillir. C'est pour ça, toi et moi, nous devons aussi être sûrs et certains que l'Écriture aussi parle de moi. Que moi, je suis concerné par la parole. Je n'écoute pas la parole pour tout le monde. Non, monsieur. Tu dois être sûr et certain que quand j'entends, Dieu me parle. Alors si Dieu ne te parle pas, c'est que tu n'as rien à voir avec Dieu. Il a prié tout à l'heure. Il dit, Seigneur, dispose nos cœurs pour ne pas sortir comme nous étions venus. Dieu entend. Il dit, Seigneur, prends sa bouche, effectivement. Et il a dit, mais quand il prie, Dieu entend. Et si maintenant, c'est Dieu qui nous parle ainsi, comment peux-tu dire qu'il faut que j'attende quand même que Dieu... Frères et sœurs, il faut que nous comprenions que, comme je l'avais dit la fois passée, la voix de la Sainte Écriture, quand Dieu proclame le jubilé, le temps de la liberté, effectivement, pour tout un chacun, effectivement, aussi, si toi, tu résistes à cela, tu dis, je ne veux pas partir, je veux rester avec mon maître, effectivement, aussi méchant qu'il soit, parce que moi, je l'aime, effectivement, on ne croit pas tout. Te perce l'oreille. Et une fois que l'oreille est percée, dans le domaine spirituel, nous entrons, tu peux t'asseoir. Déchu de la grâce, fini. Parce que tu as méprisé
tu as rejeté. Et je crois que c'est dans les Saintes Écritures, dans Hébreux au chapitre 10. Je voudrais lire encore avec ça, Hébreux 10, puis nous revenons vite dans le. Et puis nous allons prier ensemble. Ah, Hébreux chapitre 10. Verset 19, il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Quelle grâce, hein? Par la goutte nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, pas d'hypocrisie, dans la plénitude de la foi, sans doute, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et il dit, mais c'est possible pour vous. Alors il dit ceci, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est toujours fidèle. Veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à la querelle, à la médisance, à la charité et aux bonnes œuvres. Peu importe ce que l'un ou l'autre t'aura fait, ne fais pas sortir des mauvaises paroles à son endroit. Que Dieu nous garde. Tu ne t'occupes pas. Toi, t'occupes-toi simplement du reste, frère. Ce qui est pur, ce qui est juste. Peu importe ce que l'autre fait, toi, fais ce que Dieu te dit de faire. Ta marche ne dépend pas de l'autre. Ta marche dépend de toi, de Dieu. Et Dieu te... Alors, on continue l'immédiat. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ah, je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Ah, je ne suis pas d'accord, je vais m'en aller. C'est frère et soeur, ça, ce n'est pas l'esprit. Je ne suis pas d'accord. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Je pose la question. Toujours des bons sentiments, effectivement, aussi. Bon, bref, ça, c'est pas un dossier qu'on peut attendre. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. On n'est pas aveugle, hein? On voit que vraiment sa venue est proche. Que Dieu bénisse nos précieux frères, parce qu'il a parlé de ce que la prière. Ah, ça, c'est la chose qui me dit. Je crois que c'est 2 jours. Je suis venu ici 2 jours. À cet endroit, j'étais surpris. À nouveau, à la porte, je trouve quelqu'un qui était là, ici, à cet endroit, de prier. Mon cœur, et c'est vrai. Ces jours-là, c'était hier, mais je pleurais pour ça. C'est notre soeur Trifoni. Elle ne savait pas que j'allais passer. Elle ne savait pas. Parce que je passe aussi par hasard. Je ne savais pas par hasard, mais bon, quand Dieu conduit que je puisse passer. Et quand je prie aussi pour les gens. Et il ne savait pas. J'ouvre la porte, je vais prier pour les gens. Et je trouve quelqu'un qui était consacré à pouvoir prier. J'ai dit, Jésus, mon roi, donne-lui ce que son cœur désire. Elle est restée passer la nuit ici sans retourner chez elle à la maison pendant des jours. Enfin, je dis ça parce qu'on peut parler de prière. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Nous devons revenir. C'est un cri. À notre cœur. Quand on voit l'ennemi attaquer nos frères et sœurs, comme il a dit tout à l'heure, évidemment, la sœur, nous avons failli perdre la sœur Dorine. Aujourd'hui, nous serions dit, oh, Seigneur, Seigneur, parce que les diables cherchent, ils frappent, ils cherchent par tous les moyens à frapper, effectivement. Surtout que nous avons déclaré la guerre aux démons, à tout péché, et tremblant. Quand nous venons consacrer à Dieu, la puissance descend. Les démons. Ah oui, il se plaisait quand il se sentait bien en se promenant. Maintenant, que Dieu te bénisse. Maintenant, on a pris la décision que les démons dehors. Amen. Que nos frères, nos soeurs reviennent, qu'ils soient consacrés à Dieu. Nous devons combattre ensemble, repousser l'ennemi dehors. Ah, c'est comme ça qu'il se déchaîne. Il commence à attaquer nos familles. Ceci, cela, passer par là. C'est pour ça qu'on doit prier les uns pour les autres, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos familles, nos membres de famille, parce qu'il sait ce qui va vous blesser quand on sait que ton oncle, ton cousin, ceci, cela. Alors nous devons veiller, maintenant revenir à prier. Bon, que Dieu nous aide, nous allons trouver un temps de pouvoir passer à la prière, à la veiller, non? Bon, nous revenons là. Alors il dit, car, verset 26, car si nous péchons volontairement, ah, j'ai prié que Dieu nous aide, que personne n'arrive à cette position. Ça, c'est vraiment ma prière.
Parce que Dieu veille sur sa parole. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, regardez très bien ce qui est extraordinaire, parce que je viens sur le point de dire, ce qui est extraordinaire dans ceci, il n'a jamais dit après avoir cru à la vérité. Parce que bon, si tu accuses, parce qu'on t'a convaincu. Mais bien sûr, parce que tu es convaincu, mais c'est sûr, cru quand même, non? Mais dis, mais parce que tu as simplement reçu, donc tu as entendu que ça, c'est interdit. Tu ne dois pas attendre que Dieu puisse te convaincre. Ah bien sûr que oui, c'est vrai. Il dit, mais parce que tu dis, tu es, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévora le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur les dépositions de deux ou de trois témoins. Mais le verset 29 dit, mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé quoi? Ah oui, c'est ça. L'Esprit donc, c'est la grâce. La grâce et la vérité sont venues par... Vous connaissez cela, donc. Donc, c'est une période vraiment merveilleuse. Le temps dans lequel nous vivons, comme c'est le temps de la grâce, où Dieu est favorable à quiconque vraiment s'approche de lui d'un cœur sincère. Importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, les difficultés que tu peux traverser, même si c'est depuis des années que tu souffres, effectivement, Dieu est toujours fidèle à sa parole. Que ta foi ne puisse pas défaillir. Après, Seigneur, je prie. Ah, c'est le nom, Seigneur, je te glorifie parce que tu l'as fait. Tous les jours, tu rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que ce qu'il a fait pour toi est plus grand que ce que tu ressens, est plus grand que la maladie même. La maladie n'a même plus de puissance sur toi. Parce que tu as déjà reçu quelque chose de tellement glorieux, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. La délivrance est accordée. Parce que jamais, jamais, Satan ne peut te ramener dans l'esclavage. C'est fini. Amen. Parce qu'on parle d'une rédemption éternelle. Donc, irrévocable, mon frère. Il n'y a personne qui peut encore dire, mais je te lis. Une personne ne te lira. Parce qu'il a payé le prix pour que toi, tu lui appartiennes. Désormais, nous sommes prisonniers de lui. Alléluia. Que c'est bon d'avoir ce Jésus. Dans les bons comme les mauvais. Que pourrais-je t'offrir? Oh mon sauveur, tu as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh mon sauveur, car tu as fait tant de merveilles pour moi, qu'est-ce que je peux lui offrir, frère, par rapport à ce que lui il fait? Et qu'il a fait pour moi dans ma pauvre vie. Et ce qu'il a même fait, qu'il a tenté de m'avoir fait, préparer une place pour toi. Mais vous êtes des princes, des princesses, c'est vrai. Même si le monde ne vous reconnaît pas. Vous êtes qui prépare du monde. Mais il sait que vous êtes des maîtres, vous. Il sait qui vous êtes. Oui, Satan sait. La nature sait. Qui, même si les hommes politiques vous connaissent, vous n'avez même pas besoin qu'ils vous connaissent. La nature vous reconnaît. Quand vous vous passez, l'herbe dit gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand il passe, il dit maudit. Mais toi, quand tu passes, l'herbe jubile. Il dit j'attends ton temps. Ça, c'est la vérité, mon frère. Ça, c'est vrai, mon frère. Parce que la création tout entière soupire. Après que la main que Dieu vous manifeste, parce que dans le propriétaire, pas les autres, mais vous. Même si on ne vous connaît pas, même si on vous insulte. Oh, que Dieu nous aide. Nous terminons la lecture et puis nous prions ensemble. Hein. Non, acte, donc nous retournons dans Actes au chapitre 2. Nous avons lu tout à l'heure. Voilà. Et il dit,
Donc, oui, voilà, c'est ça, tu nous dis tout. Je lis vite, hein, verset 27, dans mon livre, verset 27, et puis il dit, bon, je lis dans le verset suivant qui dit, tu m'as fait connaître des sentiers, donc, verset 28, les sentiers, donc, de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence, comme il a fait encore ce soir. C'est vrai, non? C'est merveilleux, que Dieu soit béni. Il dit, homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort. Parce que c'est un roi qu'on respectait. C'est pour ça qu'il a dit qu'il me soit permis de vous dire librement, sans frein, pour ne pas que vous gardiez quand même des pensées. Non, non, il est mort. Il a dit que tu ne permettras pas qu'il t'en soit. Mais il est mort, il est mort, il est mort. Ça ne veut pas dire que l'écriture ne s'est pas accomplie. Ah, il dit, et qu'il est mort, qu'il a été donc enseveli. Et que son sépulcre, donc son tombeau, existe encore aujourd'hui parmi nous. On ne peut pas nier cela. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est donc la résurrection. C'est vraiment merveilleux, hein? La révélation est extraordinairement merveilleuse. Elle est douce, elle est bonne quand l'écriture s'emboîte. Ah, ah. Demeurons dans l'écriture. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Mais c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc l'écriture est vraiment vraie. Il s'est accompli effectivement comme Dieu l'avait dit. Et puis il dit, élevé donc par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a donc répondu, comme vous le voyez et vous l'entendez. Vous vous souvenez de cette période, cette partie-là, comme nous avons été dans les Hébreux. Vous vous souvenez? Quand il est rentré dans... Vous vous souvenez, non? Assis donc à la droite de Dieu. Ah. Alléluia. Oui, souvenez-vous effectivement de cela, parce qu'il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu. Et quand est-ce que... Mais c'est quand il est monté. Oui. Il a traversé le tabernacle, quelqu'un n'a pas été fait de maître homme. Il nous convenait en effet. Wow. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus d'avoir un tel souverain sacrificateur. Donc Satan ne peut même pas toucher ton âme. Amen, amen. Non. Amen, amen. Non. Non, 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 non. Il fait simplement des bruits. Et il te fait peur. Et puis toi, tu crois au bruit des casseroles qui suit. Non. Toi, tu es le maître. Parce que ce que Jésus, notre Seigneur, a fait, il t'a donné le pouvoir de dominer sous Satan même. Amen. Sous son pouvoir. Oui. Il t'a donné cela. C'est ça que les démons ont peur. Que tu reconnaisses que tu as l'autorité et le pouvoir. Mes frères et sœurs, entendez ce que les satanistes, quand ils se convertissent, quand ils témoignent, mais quand les chrétiens crient, dans le monde où nous sommes, ça tremble là-bas. J'avais dit, je vous parlerai de la démonologie, c'est vrai. Mais ce que je vous dis est 100% vrai. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère. C'est pour ça qu'ils vous créent des problèmes. Il vous pousse à ne pas croire, à douter, à porter. C'est vrai, frère, à la désobéissance. Parce qu'ils savent que si toi, amen, tu te tiens la parole, c'est fini. Amen. Ils peuvent venir effectivement dans la nuit, mais quand tu te lèves et que tu pries, tous les plans qu'ils ont, ils vont rien faire. C'est pour ça, quand le Seigneur te réveille, je lui dis, au milieu de la nuit, ne te pose pas la question. Il veut que tu pries parce que dans les environs, il va se passer quelque chose. Ces démons viennent effectivement pour faire le travail. Je vous ai raconté, frères et sœurs, lorsque le Covid, effectivement, quand ça a commencé, nous étions là, on ne pouvait pas comprendre, mais nous on continuait à prier, vous savez, non? Et j'ai dit, mais vous savez ce qui s'est passé, que j'ai dormi, j'ai vu que le Seigneur m'a placé là. Et je regardais, je vois trois esprits impurs. Et qui passait comme ça dans la ville. Et chaque fois ça passait là-bas, les gens mouraient. Et chaque fois. Et alors à ce moment-là, effectivement, quand je regardais, je me suis levé, je commençais à prier, qui est fort? Et ces démons ont pris la fuite. Amen. J'ai dit, le Covid passera un jour. Amen. Vous êtes témoin, non? Amen.
Vous vous souvenez, non? Oui, je sais que les gens ne croient pas, mais c'est, ça a été dit. Il dit, ça pierre, c'est dit, ça passera. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de masque. Hein. Mais c'est parce que vous, ici, vous avez prié, frère. Quand on a empêché les pouvoirs, c'est-à-dire, vous étiez là, dans les conditions difficiles. Mais qu'il y a des... on fait des trucs, Seigneur, nous sommes... on n'a jamais stoppé de prier et de servir le Seigneur. C'est vous ici, vos prières. Parce que les autres, ils font des débats. Mais comment cela, quand même, ils se rassemblent? Mais nous savions pourquoi nous rassembler. Parce que lui, il nous protégeait, frère. Les gens gardaient les portes là-bas. Et nous étions ici. Nous prions, c'était aussi pour eux. En fait, que les démons s'en aillent. Ils ne se sont pas rendus compte. Mais c'est parce que vous avez prié, c'est vrai. Petit que nous nous valorions. Non, Dieu vous voit. Alors, quand le Seigneur te réveille au milieu de la nuit, mets-toi à genoux. Parce que dans les quartiers, là, les démons ont fait un plan. Alors, quand toi, tu pries, ils n'arriveront à rien faire. Vous sauverez beaucoup. C'est vrai, frère, c'est ça. Donc, les genoux reviennent au service. Oh, que Dieu nous... Ah, les temps. Nous lisons, nous prions aussi. Hein? Alors, il nous dit ici... Verset donc 33, il dit, élevé donc par la droite de Dieu, il a reçu du Père Saint-Esprit, qui avait été donc promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David ne peut monter au ciel. Mais il dit lui-même ceci. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est beau l'écriture. Hein? Assieds-toi donc à ma droite. Ça doit vous rappeler quand même. Dans les Hébreux, quand même. Ah, que Dieu soit béni. Et à dire, jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marche, que toute la maison d'Israël sache donc avec eux, donc sans même l'ombre d'un doute, ou d'imagination, c'est peut-être, est-ce que c'est vrai? Il faut que je voie, est-ce que c'est vraiment parce que je dois... Non, mon frère. Et puis, il dit, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez. Verset 37, il nous dit, après avoir entendu ces discours, quand on leur a parlé de ce que cet homme de Galilée a fait. Et les résultats, ils pouvaient les voir sur des hommes qui étaient devenus comme des dieux. Oui, monsieur. Parce qu'ils disaient, c'est impossible. Ces hommes sont humains comme nous, sont des Galiléens. Ils parlent en galiléen, mais chacun de nous les entend spécifiquement dans sa langue maternelle. Il n'y avait pas d'interprète. Alors là, ils sont divins, ils sont comme des dieux. Et ils les étaient. Oui, parce qu'ils étaient des dieux. Et c'est vrai, comme la Bible dit, vous êtes des dieux. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement. Ah! Regardez. Quand le cœur a été touché profondément, qu'ils ont vu ce que c'est Jésus de Nazareth a accompli pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité? Parce qu'on l'a crucifié. Je disais, je ne sais pas à qui je parlais, certainement avec une sœur, je pense que cela dit, mais. Vous savez, quand vous voyez la fleur rose, vous la regardez, elle vous plaît. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui n'aime pas la rose. La fleur, elle est quand même jolie, non? Mais regardez encore ce qui est merveilleux, c'est que la meilleure des choses que la rose possède, quand est-ce qu'il vous donne cela?
D'abord, il vous apaise avec les yeux, tout ça, vous êtes tellement égayé par des fleurs. Vous savez, même si vous étiez en colère, vous voyez, c'est quand même beau. Mais maintenant, quand vous prenez cette rose-là, vous l'écrasez. Au lieu de pouvoir s'énerver, la rose vous donne un parfum qui vous rend encore joyeux en plus. Il dit, vous l'avez crucifié. Au lieu qu'en l'ayant crucifié, qu'il vienne avec colère. Alléluia. Il vient vous donner la vie. Tout ça, il dit, vous l'avez crucifié. Mais le voici, qu'il a répandu son esprit, comme vous le voyez et l'entendez. Je dis, mais il ne garde pas la colère. Il pouvait nous détruire. Mais il nous manifeste encore son amour après l'avoir rejeté. Frères et sœurs, qui peut résister à cela, à moins que tu sois la semence du malin? C'est pour ça il dit que leur cœur fut vivement touché. Et puis il dit, homme frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? La réponse était que, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé en son nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, son mari, pour le pardon de vos péchés, il nous pardonne encore. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et puis il dit, par ses paroles exhortées, qu'on dira, sortez de ces générations, permettez de ces générations, puis la bonne idée, ceux qui reçurent de bon cœur, sa parole fera. Maintenant, je vous pose la question. Ces personnes-là, sont-ils revenus un jour en disant, il faut que j'attende que Dieu encore me touche le cœur? Donc, depuis ces jours-là, leur cœur étant touché, chaque fois que la parole de Dieu était prêchée, ils se réjouissaient. Et c'est la vérité, mon frère. Il faut que nous comprenions effectivement qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait savoir. Il persévère dans l'enseignement, dans la fonction de pain, dans l'enseignement des apôtres, effectivement. C'est-à-dire que chaque fois que la parole leur était apportée, ils se réjouissaient. Parce que quand le Seigneur a touché ton cœur, il a mis un cachet, monsieur. On peut vous parler du mal de ce Jésus. Vous direz, je n'attends pas qu'on vienne encore toucher mon cœur. Parce qu'il a touché mon cœur. Et je défendrai ce Jésus parce que ce qu'il a fait, mon cœur était dur. Alléluia. Il a rendu ce cœur, effectivement, un cœur de chair. Il était un cœur de pierre. Oh, qu'il est doux. Oh, des frères, les traits ensemble. Ah, c'est doux, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Et Dieu des Hébreux, le roi des rois. Vous comprenez, frères et sœurs, il nous est important, mon frère, de nous aimer ardemment les uns et les autres. Ne laisser rien dans ton cœur contre ton frère, contre ta sœur, contre n'importe qui. Même les païens dans ce monde qui te fait du mal, toi ne garde jamais. Mon frère et ma soeur, la rancune est un poison. Garder les péchés de quelqu'un, le mal qu'il t'a fait dans ton corps, et toi, c'est un poison qui va te ronger. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ce que Jésus, notre Seigneur, a fait pour moi. Quand je me regarde, je ne suis pas digne. Parce que c'est moi qui l'ai crucifié. C'est moi qui l'ai insulté. C'est moi qui ai craché sur lui. Mais même en crachant sur lui,
même en ayant parlé du mal de lui, il est quand même venu vers moi. Et elle a changé mon cœur. Il a touché mon cœur. Il n'est pas resté insensible. Il a fait. Donc, à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur, à l'endroit de quiconque, ne garde jamais, ne regarde même pas la haine qu'il a à ton endroit, ni le mal qu'il peut projeter pour toi. Toi, sois parfait, comme ton Père est parfait, parce que ce qu'il a fait pour toi, quand je peux me souvenir de cela, je ne peux que pardonner quelqu'un qui me déteste. Et je prie même pour lui, parce qu'il est aveugle. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Tendre Père et précieux, ce soir, nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde. L'heure est vraiment avancée, mon sauveur. Nous voulons vraiment revenir à toi. Nous voulons vraiment nous consacrer davantage à toi. Nous te disons merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu continues encore à pouvoir faire, parce que nous vivons dans des temps tellement glorieux, Père Dieu. Nous voyons combien Satan sait que, en petite puissance, ses heures et ses jours sont comptés. Et il est déchaîné pour pouvoir détruire tout ce qui est à toi, mais il n'arrivera pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce que tu as fait pour nous est un cachet indélébile, mon sauveur. Notre cœur a été touché par toi. Il reste touché, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous restons confiants en toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu nous as déjà convaincus, mon bien-aimé Père Tubissant. Qu'est-ce que encore le monde pourra encore nous convaincre, mon bien-aimé Père Tubissant? Qu'est-ce qu'il y a encore, Père Tubissant, Dieu, qui doit encore être encore au-dessus de toi, mon bien-aimé Père Tubissant? Nous avons confiance en toi. Oh Dieu, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Pierre, Père Tubissant, l'a dit, que toute la maison sache avec certitude, nous reconnaissons qui tu es, mon sauveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci encore pour ce que tu as fait pour chacun de nous, pour mon frère et pour ma soeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de verser cet amour dans notre cœur, mon roi, que nous puissions nous aimer. Oh, Père Saint-Dieu, nous puissions avancer aussi ensemble, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et dans les autres qui sont dans la faible. Seigneur, tout ça va pouvoir progresser, mon Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour tes hauts faits, Seigneur. Ce soir, je voudrais te dire merci. Ce soir, je voulais te demander encore grâce au roi pour toutes les requêtes qui ont été déposées ici, pour lesquelles nous avons prié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et j'ai prié encore pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit, et ceux-là aussi qui sont à l'écoute, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans tous les pays qui sont, oh Père Tubissant, où ils se trouvent, Seigneur, dans chaque maison. Tu vois les difficultés, tu vois les épreuves, Père Tubissant-Dieu, par lesquelles ton peuple passe financièrement, Père Tubissant, matériellement, oh Dieu, physiquement aussi, mon bien-aimé Père Tubissant, Seigneur, oh Dieu, les temps sont tellement difficiles, Seigneur. Toi, tu es l'idée qui a dit, à moi l'or et l'argent m'appartient, Seigneur Jésus. Puisses-tu ouvrir encore une porte pour mon frère et pour ma soeur, oh Dieu, dans les domaines financiers, Seigneur, qu'ils puissent avoir, mon bien-aimé Père Tubissant, la santé, Père Tubissant, oh Dieu, et la foi aussi, bien-aimé Père Tubissant, que ceux qui ont été liés ne soient plus liés, mon bien-aimé Père Tubissant, mais que ça soit libre, Père Tubissant, oh Dieu, que ton peuple revienne à toi, Seigneur, nous avons tout auprès de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, que les malades soient vraiment guéris, bien-aimé Père Tubissant. Soutiens et fortifie, mon roi. Merci pour ce que tu as fait. Tu as protégé nos bien-aimés, nos frères et sœurs, Père Tubissant, dans nos membres de famille, Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui garde mon sauveur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci pour la présence de chaque frère, Père Tubissant, mon frère Molura et notre sœur, Père Tubissant, Dieu, Emmanuel, Père Tubissant, toute la famille entière qui est ici, je t'en suis reconnaissant. Qu'il soit béni, Père Dieu. Ma sœur Elodie, Père Saint-Dieu, qui est venue parmi nous, Seigneur, et les enfants, mon bien-aimé Père Tubissant, Seigneur et son mari, qu'ils soient bénis tous, mon bien-aimé Père Tubissant. Merci pour chaque frère qui est présent ici, bien ce soir, mon bien-aimé Père Dieu, et chaque sœur aussi, mon roi, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, nous te les consacrons encore davantage entre tes mains, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Pour tous les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir encore pour nous, Père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour ta bonté, Seigneur. À toi la gloire. Tu as béni. Tu as protégé. Tu continues encore à protéger, Seigneur. Aide-nous à pouvoir vraiment nous lever, pouvoir prier pour changer encore ta face, mon roi. Bénis tes enfants qui ont resté ici dans la prière, mon roi. Exauce-les, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Nous voulons vraiment nous lever, Père oh Dieu, pour marcher avec toi, pour chercher ta force encore davantage, mon roi. Oh, Père Saint, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Louange et honneur à toi.
car nous t'avons prié, demandé cela, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Merci. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'aime.